Yacoubi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve du coup pour la vidéo pile à lire du mois d'avril, donc si la suite t'intéresse, continue. A savoir que je crois que j'avais fait à peu près une pile à lire avec des chiffres normaux, mais sachant que je vais partir quand même une semaine en vacances et comme je prends l'avion, c'est-à-dire pas de manga dans la valise. Et donc je vais voir aussi pour acheter certains mangas que je veux lire ce mois-ci en format numérique. Parce que je ne me vois pas passer une semaine entière sans lire réellement. Alors je m'emmène un vrai livre, oui t'as bien entendu, mais je mets tellement de temps pour lire un vrai livre que du coup il va réussir sûrement à me faire potentiellement toute la semaine. Mais j'aimerais bien avoir au moins, je sais pas, peut-être pour l'avion ou un truc comme ça, même si ça dure pas longtemps non plus, avoir un manga en format papier, enfin en format numérique, pour pouvoir lire quand même un minimum. Donc on va commencer par les mangas d'abord reçus, pas en collab, mais de toute façon tu as toujours l'emoji du cadeau pour te dire quand c'est un manga reçu en collab. Voilà, je le redis au cas où. L'emoji en haut dans le coin qui est le symbole du cadeau, ça veut dire que j'ai reçu le manga gracieusement par la maison d'édition, sans contrainte de temps ni d'avis. Donc on va attaquer avec les chroniques de l'île éphémère des éditions Nazca. Je n'ai pas eu le temps de le lire pendant ce mois de mars, donc je le lirai au mois d'avril. Sachant que là le jour où je filme on est le 27 et que du coup, je sais très bien ce que je vais lire pour la fin du mois. Il me reste Shep, César et Candy Fury, qui est donc le manga d'Halloween du mois de mars. On continue avec un manga des éditions Naban avec Bienvenue au Café des Chats. Je l'ai déjà lu, sauf que j'ai oublié de faire la vidéo à vie. Comme ça date d'il y a trop longtemps, je vais tout simplement le relire. Donc oui, ça sera une lecture très rapide. Ça, je sais, j'ai mis moins d'une heure la dernière fois pour le lire, donc là aussi. Mais au moins, comme ça, je pourrais te le présenter, sachant en plus qu'il y a la Journée internationale du chat en août. Et que j'essaie aussi de te présenter tous les titres des éditions Naban cette année, le plus possible en tout cas. Ensuite, on continue toujours avec Naban, avec mon avis sur le tome 3 de Aubin les Yankees. À savoir juste que j'avais présenté les deux premiers tomes. J'avais dit que je lirais le tome 3 par la suite, mais pas collé à la lecture des deux autres, parce que je trouvais que ça pouvait du coup se lire au fur et à mesure. Et c'était pas, voilà, c'est presque un chapitre, une aventure. Donc du coup je trouve ça cool de pouvoir le lire et donc je le lirai comme ça. J'ai aussi fini avec Aubin les Yankees. On continue du coup avec Le Chien qui voulait voir le Sud. C'est un manga qui est sorti en mars du coup chez les éditions Akata. Comme c'est un one shot, je me dis c'est plutôt cool, ça me fait un petit peu mode voyage, je pense que je vais le lire juste avant de partir en vacances. Ça va bien plomber le moral, ou alors justement ça va me plomber le moral avant d'être en pic pendant mes vacances, mais toujours est-il, j'avais très envie de le lire, c'est un one shot, et une fois de plus, la Journée internationale du chien, c'est le même mois que les chats, donc c'est en août, donc je le présenterai rapidement, comme ça vous avez une vidéo guidée sûrement de potentiel de titres à lire pour cet été, et en plus moi je l'aurai lu avant de faire la vidéo recommandation des titres sur les chiens. Dans l'ordre, alors je pense que je vais commencer par eux, tout simplement parce que comme ça je verrai la quantité de contenu que j'aurai pour principalement le mois d'avril et peut-être le mois de mai. Donc du coup on va continuer avec ma lecture d'Halloween qui sera, oui, une fois par mois je rappelle, je lis un manga d'Halloween pour pouvoir les présenter du coup en octobre. On va avoir De nous il ne restera que des cendres. C'est un manga terminé, si je dis pas de bêtises, en 5 tomes. Donc j'ai acheté le tome 1 en occasion du coup, d'ailleurs c'était au comptoir du rêve. Et voilà, tout simplement je reste sur des séries assez courtes. Et 5 tomes, je me dis que c'est vraiment le maximum je pense que ce que je veux lire pour cette période avant de commencer vraiment les vraies lectures Halloween. Bref, c'est un manga des éditions Kana, j'en sais plus grand chose parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti. D'ailleurs le tome 1 il est sorti le janvier 2022. Côté lecture et manga, j'envisage de lire The Pink Club et il y aura aussi une nouveauté qui sort je crois qu'il sort du coup vendredi pour moi 29, qui est Leçon particulière.
À savoir qu'il y a un autre titre qui est sorti chez les éditions Dynamite qui m'intéresse, mais il est un petit peu trop cher, donc pour l'instant je ne me l'achète pas. J'essaie vraiment de rester raisonnable et de justement deux hentai par mois, je trouve ça déjà bien, etc. Donc du coup je l'achèterai sûrement pour le mois de mai. Donc avec les mangas normaux on en a 7, plus 5 avec le manga d'Halloween. Je vais acheter aussi ce mois-ci les deux nouveautés des éditions Naban, où il y a les deux premiers tomes qui sortent en simultané. Donc ces trois volumes-là seront lus aussi ce mois-ci. Et pour terminer le mois, je pense que je m'arrêterai à ça. Je vais lire du coup L'ami de ma fille. C'est une série terminée en 7 tomes des éditions Meiyan. Et j'ai l'intégralité, mais Yann m'a tout envoyé au total. J'avais eu, je crois, les deux ou trois premiers tomes. Je sais pas s'il n'y en avait pas un que j'avais acheté, mais on s'en fout. Là, ça, de toute façon, la vie globale ne changera pas grand-chose que j'ai eu un tome ou pas offert. De toute façon, déjà, un tome, les mangas offerts ou pas, ça change rien. Mais qu'il y ait un volume dans les 7 que j'ai potentiellement acheté, c'est pareil, de toute façon la vidéo dira que j'ai tout reçu en gros en collab. Je vais pas m'amuser à vérifier si le tome 3, parce que j'ai un doute sur le tome 3, si le tome 3 je l'ai reçu ou pas. Bref, toujours est-il, donc j'ai l'intégralité de L'ami de ma fille à lire et donc forcément à présenter par la suite. On verra du coup si ce manga est si problématique que beaucoup le pensent à cause de son résumé et de ses... est censé se passer à l'intérieur. Je suis très 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 curieux de découvrir du coup ce qu'il y a à l'intérieur, sachant que moi, pour avoir lu les deux premiers tomes, je trouvais plutôt pas mal. Et oui, j'ai des raisons à ça, et je le réexpliquerai du coup dans la vidéo avis total, mais j'avais fait déjà dans la vidéo présentation du coup des deux premiers tomes qui étaient sortis avant la Japan Expo 2022, parce que je sais que j'en ai... Attends, y a pas la date de sortie, mince, il y a juste marqué 2022, il y a pas le mois. Mais à savoir que je sais que je m'en rappelle d'en avoir débattu avec du coup les collègues quand j'ai travaillé à Japan Expo 2022 avec Crunchyroll. On avait débattu de ce manga et de ce qu'on en pensait ou pas. Eux ne l'avaient pas lu, mais moi j'avais lu, et donc j'aurais expliqué ma vision des choses, de l'histoire, etc. Bref, toujours est-il, voilà, en ce qui concerne ma pile à lire potentiellement pour ce mois. Elle est quand même, on avait dit 5 plus 7, ça fait 12. 7. Donc cette vidéo est à présent terminée. Pour cette pile à lire, j'ai donc listé 22 mangas, sachant que je m'attends quand même 7 jours, ce qui va être assez compliqué de tout lire, même si, je le redis, Bienvenue au Café des Chats ne compte pas réellement dans ces chiffres, parce que je l'ai compté dans la liste des 22, mais il ne devrait pas compter, parce que très clairement je sais que je vais le lire en plus d'un manga du jour. Je vais me forcer, c'est bien un grand mot, mais sur une journée je vais essayer de lire un manga normal plus Bienvenue au Café des Chats, comme ça déjà ça me gratte un jour. Et pareil, ça je pense que je le lirai après mes vacances du coup, et donc je vais essayer de faire une sorte de petit marathon où j'en lis un, voire enfin deux par jour, voire peut-être trois, faut voir ce que j'arrive à faire et ce que je peux faire au niveau du temps aussi. Mais voilà, donc c'est tout en ce qui concerne la lecture. Je veux pas non plus m'en lister 30, parce que je sais très bien qu'il n'y aura pas les 30. Plus, je sais aussi que j'ai pas mal de choses à prévoir sur le à côté, parce que pour moi, il se passe pas mal de choses à partir du mois de mai en off, hors YouTube. Et donc j'ai beaucoup de travail à faire, et voilà, donc là déjà même 22 je trouve ça beaucoup, mais je vais essayer même de gratter, là vu qu'on est que le 27, je vais essayer quand même de gratter à mort. Ce que je rigole, c'est que depuis tout à l'heure je suis en train de faire ça quand je parle de gratter à mort et que vous ne voyez pas. Mais je vais essayer de gratter à mort du coup au niveau des lectures pour fusionner, faire 2 ou 3 mangas par jour, etc. 2 ça sera bien, 3 ça sera juste si je me prends sur un week-end ou un truc comme ça. Mais voilà, je vais essayer quand même de... marathonner un petit peu, parce que je veux aussi lire suffisamment pour continuer à avoir du contenu pour les mois prochains, parce que je le redis, mais il y a le à côté qui va me prendre du temps et je ne sais pas en fait quel temps ça va me prendre pour l'instant. On verra ça, donc j'en reparlerai fin mai de ça sur EB World, par contre sur mon autre chaîne.
Mais voilà. Donc toujours est-il, cette vidéo est à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. On like, on commente, on partage. N'hésite pas à t'abonner, c'est rapide, gratuit, ça me ferait extrêmement plaisir. Et comme je crois que j'en ai quand même parlé plus d'une fois que j'allais partir à cet endroit-là, mais apparemment quand j'ai mis un sondage sur Instagram pour savoir si vous saviez, j'ai eu droit au Japon et j'ai eu droit à beaucoup de pays d'Europe, dont des pays que j'avais listés dans ma... Il faut savoir qu'il y a quand même une vidéo qui ça parle de ma bucket list et donc des pays que je veux visiter. Et même là, je dis qu'il y a certains pays que je ne veux pas visiter. On a réussi à me les sortir. Alors que cette personne-là, je sais qu'elle l'a lu. Elle a vu, pardon, cette vidéo. Bref, toujours est-il. À bientôt.